Et bienvenue à Motus, votre jeu de mots quotidien sur France 2. Nous allons jouer ce matin avec Pierre-Olivier et Mathieu pour commencer. Notre fan de l'OM et notre fan du PSG reviennent pour la troisième et dernière fois. On leur souhaite bonne chance. Ils seront opposés ce matin à Garcia et à Delphine. Delphine habite Valenciennes, elle est conductrice scolaire. Garcia, lui, vient de Belgique, il est magasinier, il joue au basket et il fait du jujitsu, il faut pas trop l'embêter. Bonne chance également à tous les deux. Il est cinquième dan, mesdames et messieurs, mais de ping-pong. Alors ça ne sert absolument à rien. Thierry Beccaro. Ouais, c'est vrai. Et ouais, on m'a dit, tenez, inscrivez-vous, vous allez voir, ça va vous permettre de vous... Alors je me défends bien au ping-pong. Ça, c'est une réalité, mais alors pour le reste, il faudrait que je demande quelques conseils à Garcia. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bonjour mesdames, messieurs, qui est installé dans le public. Et je salue amicalement Mathieu et Pierre-Olivier, qui sont là pour la dernière fois. Ça va, messieurs ? Ça va très bien. Bon, il ne faut pas laisser passer l'occasion, parce qu'après, vous allez retourner à vos chères études. Études d'ingénieur, hein. C'est bien ça, ouais. Ingénieur dans l'énergie, c'est ça ? Exactement. Bon, voici la présentation de Delphine et de Garcia. Bonjour Delphine. Bonjour Thierry. Vous arrivez de Valenciennes ? Oui, c'est ça. Et votre métier ? Conductrice scolaire. C'est-à-dire ? C'est-à-dire, je conduis les enfants à l'école, je vais les rechercher. C'est des enfants handicapés, donc j'ai un camion. D'accord. Un camion avec une rampe un pour faire monter les... Ouais, absolument, ouais. Très bien. Ouais. Bah, merci d'être avec nous, Delphine. Merci. Et puis on va saluer toutes celles et tous ceux qui vous côtoient régulièrement. Oui, bien sûr. Là, je suis en congé parental. Hein. Ah, voilà une bonne nouvelle. Oui. Un petit garçon, une petite fille. Un petit biloute. Ah ouais, un ch'tibiloute. Un ch'tibiloute. Un ch'tibiloute. Oui, ça, je ne suis pas encore très très doué. Pourtant, je l'ai vu, hein, les bienvenus chez les ch'tis, mais il y a encore du boulot. Hein. Je vous apprendrai. Je suis plutôt côté cadmérade, vous voyez, qui apprend. Un ch'tobiloute. Hein Bah, c'est pas mal, ça rentre hein, quand même. Ça va, Garcia? Oui, ça va. Bon, c'est un plaisir de vous accueillir, Garcia. Donc, vous êtes magasinier. Là, de ce côté-là, je ne peux pas faire grand-chose. Le basket, ça m'intéresse un petit peu plus. Ouais. Vous jouez dans quelle équipe? Oui, j'ai joué à l'époque, mais je ne joue plus. J'ai eu un problème avec mon tendon d'Achille. Ouais. Ouais, qui s'est fracturé complètement. Ouais. Donc maintenant, je suis plus en compétition. Je joue juste entre les amis. Vous jouez pour le plaisir, quoi. Si... Ouais. Et à côté de ça, le jujitsu, ça ne pose pas de problème pour Là, ça va encore. Je m'entraîne avec. Ouais, c'est là que Garcia me dit, je vais vous montrer. Je vais vous montrer que ça ne pose aucun problème. Là, il arrache, au centre il de la les piste. Tendons d'Achille des autres, là, au jujitsu. Bon, en tout cas, merci de jouer avec nous. Là, c'est Motus. C'est sans danger, ça rapporte des cadeaux et un peu d'argent. Et parfois, beaucoup d'argent. Voici les grilles pour commencer la partie. Delphine, Garcia... Voilà la grille de Pierre-Olivier et de Mathieu à présent. Tout ça, ça peut rapporter 100 points de plus, hein, évidemment. À condition de passer à côté des boules noires. Parlons maintenant d'argent. Tom, combien y a-t-il à gagner dans la cagnotte ? Il y a une belle cagnotte à gagner, Thierry. 4000 euros aujourd'hui. Et avec Time No Time de Goliath, tout le monde s'éclate. Relevez les défis et exécutez de drôles de gages. Explosion de rire garantie, Thierry. Et en même temps, pendant qu'on joue, on peut grignoter quelques chocolats. Et oui, puisque les chocolatiers Jeff de Bruges sont heureux de vous offrir pour les fêtes cet assortiment gourmand composé de chocolat, truffes, écorces ainsi que de savoureuses cerisettes. Parfait, merci Tom. Garcia, vous avez choisi des mots de... 9 lettres. 9 lettres. Eh bien, c'est parti, Garcia. Bonne chance, Delphine. Merci. Voici un L pour commencer, Garcia. Lionceau. L-I-O-N-C-E. A-U-X. Longueur. L-O-N-G-U-E-U-R-S. Légiférer. L-E-G-I-F-E-R-E-R. Ligament. L-I-G-A-M-E-N-T-S. Lécanor. L-E-C-A-N-O-R.
N-O-R-E-S. Lorgnette. L-O-R-G-N-E-2-T-E. Tout ça a été très très bien construit. Bravo Delphine. On va s'intéresser au mot les canards que nous a proposé Garcia il y a un petit instant. Allez-y Delphine. Le 45. Le 45. Allez-y Garcia. Les 11. Alors, les canards, qu'est-ce que ça veut dire, Tom ? Vous me décevez un peu, Thierry, parce que c'était pas compliqué quand même, mais c'est un lichen à taille dure renfermant des espèces tinctoriales. Ah bah oui ! Voilà, voilà. Je suis un peu déçu. Ah bah oui, non, bah, attendez, on en parlait, il y a encore quoi ? Hein, il y a, ce matin en arrivant. Bah oui, mais bon. Donc, bah, redites-moi ça pour... C'est un lichen, en fait, Thierry. C'est une sorte de lichen. Une petite mousse. Voilà. Une petite mousse, Tom ! C'est l'heure. Allez, Garcia, c'est à vous de jouer. Voici la lettre D. Dinosaure. D-I-N-O-S-A-I-R-E. Dimanche. D-I-M-A-N-C-H-E-S. Dissoli. D-I-S-S-O-L-I-E-S. Différent. D-I-2-F-E. R-E-N-T. Déplorant. D-E-P-L-O-R-A-N-T. Diminution. D-I-M-I-N-U-T-I-O-N. Ouais. Ah, non, bon, c'est trop long. Ah, oui. Et puis, il y a une lettre importante à placer. Je ne sais pas si... Pierre-Olivier a trouvé ou pas, mais ça ne devrait pas tarder. Diminutif. D-I-M-I-N-U-T-I-F. Voilà, c'était le F. Il fallait le placer à la fin du mot. Bravo Pierre-Olivier. Allez-y pour le mélange. D'accord. 8. Merci Mathieu. On ne vous écoute pas. Oui, oui. Aucune maîtrise. 26. Ce jeu vous échappe. Oui, totalement. Mais un jour, on aura des jeux comme ça où les candidats prendront la main. Ça, ils feront la loi. Non, c'est à moi. Pousse-toi, toi. C'est moi qui mélange. C'est à Mathieu, s'il vous plaît. Mathieu, voici la lettre C. Alors, coaguler. C-O-A-G-U-L-E-E-S. Crêperie, C-R-E-P-E-R-I-E-S. Celtic, C-E-L-T-I-Q-U-E-S. Carterie, C-R-T-E-R-I-E-S. Compteur, C-O-M-P-T-E-U-R-S. Cadastre, C-A-D-A-S-T-R-E-S. Très bien. Pas évident sur le moment, mais vous l'avez trouvé. Bravo, vous regardez bien devant vous, hein, Pierre-Olivier et Mathieu. Allez-y, Pierre-Olivier, pour le mélange, s'il vous plaît. 16. Le 16. Mathieu. Elles sont jamais bien loin, hein, ces boules noires. 150 pour vous, messieurs. Garcia, c'est à vous de jouer avec un A. Autogire. A-I-T-O-G-I-R-E-S. Actualité. A-C-T-U-A-L. I-T-E. Aménuiser. A-M-E-N-U-I-S-E-R. Aviateur. A-V-I-A-T-E-U-R-S. Alarmante. A-L-A-R-M-A-N-T-E.
F-M-A-N-T-E. Avionnaire. A-V-I-O-2-N-E-U-R. C'était bien là. Il y a pas. C'est un petit suspense. Super. Je vais vous dire là. Qu'est-ce que j'ai fait? Mais oui, absolument. On se demandait si vous aviez dit avionneur ou avionnaire. Ah voilà. Non. C'est l'accent du Nord. Ouais. Oui, oui. Non, ouais, non, mais, non, mais je les vois là en face. Vous pouvez pas les voir, mais parfois, non, franchement, je voudrais pas les dénoncer, mais enfin, Olivier, quand même. Non, non, t'es un peu tatillon là, quand même, hein? Mais non, mais c'est pas le genre, je suis pas le genre à balancer, vous savez ça. C'est... Allez. Allez, Delphine, je suis avec vous. Allez. Le 37. Garcia. Le 21. 72. C'est fou quand même de pas. Garcia, c'est à vous de jouer avec la lettre F. Farigoule, F-A-R-I-G-O-I-L-E-E. Oh. Oh, c'est la première erreur. Attendez, Garcia, tout va bien. 100 à 100. Pour l'instant, Pierre-Olivier, la lettre bonus. Friperie, F-R-I-P-E-R-I-E-S. Fricassé, F-R-I-C-A-2-S-E-S. Garcia, la lettre bonus pour vous aider. La lettre A. Fricassé, F-R-I-C-A-S-S-E-E. C'est bien. 50 points d'avance pour vous, Garcia. Allez-y. Allez-y, Delphine. Le 61. Nous continuons, nous cherchons un mot de 9 lettres, Delphine, qui commencera par un M. Minorité. M-I-N-O-R-I-T-E-S. Qu'est-ce qui se passe, Garcia? Qu'est-ce qui s'est passé, Garcia? C'est un coup de fringale, c'est quoi? C'est... Ah, Delphine, ça l'a fait passer. Ça va mal finir, cette histoire. Tu vas assurer. Bon, pour l'instant, ça va. C'est pas grave. Le haut pour Pierre-Olivier. Monastère. M-O-N-A-S-T-E-R-E. Moniteur, M-O-N-I-T-E-U-R-S. Monétaire, M-O-N-E-T-A-I-R-E. Vous êtes à égalité, 150 à 150. Pierre-Olivier, allez-y, vous mélangez. 54. 54, ça c'est pas mal. Le 6... Allez, Mathieu, vous rapporte 100 points si vous tombez dessus. Le désespoir qui vient de s'abattre sur Mathieu et Pierre-Olivier. Garcia, vous pouvez reprendre l'avantage en trouvant ce mot qui commencera par un H. Humanoïde. H-U-M-A-N-O-I-D-E. Houssé. H-O-U-2-S-A-I-E-S. Hémicycle, H-E-M-I-C-Y-C-L-E. Humanité, H-U-M-A-N-I-T-E-S. Hydratante, H-Y-D-R-A-T-A-N-T. Là. Ouais. On a bien entendu, hydratante, hein. Ouais. On est d'accord, hein, Garcia. Ouais. La lettre bonus pour Pierre-Olivier, c'est le Y. Hydratant, H-Y-D-R-A-T-A-N-T.
Ah, alors ça semblerait poser problème. On va vous aider, Garcia. Voici le O. Ah, c'est dur, hein, Thierry. Ah, franchement, non, Delphine. Hydraulique. J'adore. Delphine Orban, oui, bah alors là, à ce moment-là, non, bah, appelez-moi la production. C'est le 11e mot, quoi. Ouais. Ça sera peut-être pour tout à l'heure si vous arrivez en super partie. 150 à 150, ça n'a pas changé. Tom, ce sera le dernier mot, Thierry. Vous avez un peu hésité là, vous. Oui. Le carton j'étais... jaune. Le dernier mot qui rapporte 100 points, Delphine. Il ne faut pas le laisser passer. Hein. Professer, PRO2FE2SE. Il n'y a pas 2F. Non. Bah, oui. Aïe. Attention, Pierre-Olivier, la lettre bonus. Penderies, PENDERIES. Poulaines, POULAINES. Professer, PROFE2SER. Ah, Delphine. Vous rendez compte, vous l'aviez le mot. Ouais. Et pourquoi ces deux F tout à coup? C'est une faute que vous ne commettriez jamais à la maison. En tout cas, applaudissements pour tous les quatre, c'était génial. Ah, oui. Belle partie. Bon, d'un côté, il y a deux boules noires, de l'autre, il y a une ou deux erreurs. Bon, ben voilà, une partie très serrée. Messieurs, bravo, on va se retrouver dans un instant pour votre dernière super partie. Delphine, Garcia, voici quelques cadeaux pour vous, regarder. Delphine et Garcia, avant Quest Software, vous offrent deux logiciels pour visualiser des diaporamas photos sur votre téléviseur et créer vos dessins animés. Ainsi que 100 euros de logiciels à télécharger sur avantquest.com. Ah là, ouais. Terrible. Hein. En tout cas, c'était bien sympa. Merci beaucoup, Garcia. Ouais. Merci, Delphine. On a encore un petit peu de temps pour saluer les amis. Oui, mais je voulais juste saluer une amie qui m'avait accompagné pour les présélections au stand à Valenciennes, Chantal. Donc, Et vous n'avez pas voulu qu'elle revienne? C'est ça, en fait, hein, non, la vraie histoire. Non, elle doit travailler aujourd'hui. Donc, ah, d'accord. Okay. Donc, tout va bien. Vous n'êtes pas fâchés. On vous embrasse très, très fort. Ouais. Et vous, Delphine? Donc, moi, j'embrasse ma famille, ma belle famille, les amis. J'embrasse Léo, donc mon fils. C'est le tio. Ouais, puis ben, le papa, c'est mon gros. Je fais un gros bisou. C'est mon gros? C'est mon gros. Ah, on dit mon gros. Et le tio Biloute, il s'appelle. C'est sa grosse. Moi, je ne dirais pas ça comme ça, mais enfin bon. En tout cas, c'est bien affectueux tout ça. Merci Delphine, merci Garcia. Dans un instant, messieurs, à ne pas rater, 4000 euros dans la super partie. À tout de suite. Pour participer à Motus, contactez-nous au 01 56 22 2000 ou sur le net motus@francetv.fr. Et pour nos prochaines sélections, nous serons le vendredi 16 décembre à Vannes, le samedi 17 à Nantes et le samedi 14 janvier à Paris. Alors composez à tout moment de la journée le 01 56 22 2000 ou écrivez-nous motus@francetv.fr. La dernière chance pour Pierre-Olivier et Mathieu de repartir avec 4000 euros, qui est quand même une belle somme, surtout pour des étudiants comme vous l'êtes. Pierre-Olivier et Mathieu, vous avez 5 minutes pour trouver 10 mots de 9 lettres. On y va, vous ouvrez le jeu, c'est très important. C'est parti, bonne chance. Vaseline, V-A-S-E-L-I-N-E-S. Vaisselle, V-A-I-2-S-E-2-L-E-S. Vaisselle, V-A-I-2-S-E-2-L-E. Créateur, C-R-E-A-T-E-U-R-S. Coagulant, C-O-A-G-U-L-A-N-T. Crédulité, C-R-U... Crédulité, C-R-E-D-U-L-I-T-E. Baccara, B-A-2-C-A-R-A-T-S. Balconnet, B-A-L-C-O-N-E-T-S. Ah. Balconnet, B-A-L-C-O-2-N-E-T. Mmh.
Regardez, R-E-G-A-R-D-E-S. D-E-S, j'ai dit deux E. Regardez, R-E-G-A-R-D-E-E-S. Oh là là. Ah oui, mais... Rigoureux, R-I-G-O-U-R-E-U-X. Rigoriste, R-I-G-O-R-I-S-T-E. Super. Rigorisme, R-I-G-O-R-I-S-M-E. Allez, 3 minutes. Misogyne, M-Y-S-O-G-I-N-E-S. Mouillant, M-O-U-I-L-L-A-N-T. Misogyne, M-I-S-O-G-Y-N-E-S. Musulman, M-U-S-U-L-M-A-N-S. Muselière, M-U-S-E-L-I-E-R-E. Gyrophare, G-Y-R-O-P-H-A-R-E. Gouléant, G-O-U-L-E-Y-A-N-T. Proposer des mots. Glutomane, non, c'est pas ça. Glutamate, G-L-U-T-A-M-A-T-E. Fouillant, F-O-U-I-2-L-A-N-T. Fellation, F-E-2-L-A-T-I-O-N. Falsifié, F-A-L-S-I-F-I-E-R. Allez. Encore 3 mots. Invoqué, I-N-V-O-Q-U-E-E-S. Immobile, I-2-M-O-B-I-L-E-S. Inadéquat, I-N-A-D-E-Q-U-A-T. Invasion, I-N-V-A-S-I-O-N-S. Irréversible. Je ne suis pas celui-là. Mais... Il est très I2LE2ETR. Celui-là, il était pas mal. Hein. Ouais, c'est fini. Hein. On va faire un peu le dernier. Mais... Huguenot, H-U-G-U-E-N-O-T. Laisse. Et ben voilà. On va commencer. Hargneuse. Et ben on va vous applaudir très fort. Pierre-Olivier, Mathieu, Iroquoise. Ah oui, alors les lettres étaient placées de telle façon. Je vous ai bien proposé d'ouvrir le jeu, mais là. Je cherchais en hier, mais je ne savais pas. Allez, 4000 euros, nous les mettons de côté. Il y aura 5000 la prochaine fois, mais pour vous remercier, puisque vous êtes resté avec nous pendant 3 jours, nous avons un superbe cadeau à vous proposer, à vous offrir. Regardez. Pierre-Olivier et Mathieu, les hôtels Park Inn, présents en France et en Belgique, vous offrent un week-end en demi-pension pour 2 personnes sur notre territoire. Bravo à tous les deux. Vous allez vous amuser comme des petits fous. Merci beaucoup Pierre-Olivier, merci beaucoup Mathieu. Beaucoup. On se quitte tout de suite et on laisse la place aux autres, évidemment, pour mieux se retrouver la prochaine fois. Bonne journée, merci. Au revoir. Merci.